Bonjour à tous, ici Delphine Création pour une nouvelle petite vidéo unboxing. Or, comme vous pouvez le voir, ça vient de la République tchèque. Donc c'est une... Normalement, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est une tenue pour Monster High, donc un outfit, acheté à une créatrice sur Etsy. Donc j'ai juste coupé le rebord du sachet pour que ce soit plus facile à sortir et vous voyez en même temps que moi de quoi il s'agit. Donc oui, j'ai barré mon adresse hein, parce que ça regarde pas les gens. Voilà. Emballé, c'est pas plus mal. Tout à l'heure d'être emballé. Non, il n'y a plus rien. Donc, j'ai vu qu'il y avait une petite carte tout à l'heure. Thank you. Bon, je suis pas anglaise, mais bon, je pense que ça veut dire merci pour votre achat. Je suis contente. Chosen, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hop. Le paquet arrive à right arrive nagité. Donc je passe. Merci beaucoup pour passer une bonne journée. Je pense que c'est ça. Sans pire, j'utiliserai mon traducteur. Donc hop. Ma tenue super. Elle est dans un sachet. Donc, alors c'est pas ce qui est sur la photo là que j'ai reçu, c'est des exemples qu'elle a encore sur sa boutique. Donc vous pouvez voir, il s'agit de T.L. Doll, mais bon je sais plus si c'est vraiment ce nom là, sa boutique, si c'est vraiment précisément ce nom là, ou si c'est son pseudonyme. Donc, de toute façon, je mettrai le lien de sa boutique dans la description, comme je fais habituellement, pour que vous puissiez la trouver sur Etsy et voir son travail et qui sait passer commande auprès d'elle. Donc, comment c'est ? Ah, c'est pas grave, c'est ça. Ouais, c'est décollé. Alors, je vous propose, c'est que je fasse un petit cut vite fait. Le temps que je sorte la tenue du sachet et que je vous la mette soit sur la couverture de façon qu'elle doit être portée ou soit sur une poupée si j'en ai une, mais je pense pas que j'en ai une sous la main. Donc je vous dis à tout de suite. Heureux. Donc j'ai placé la tenue rapidement parce que... J'avais pas de poupée adaptée, donc j'ai mis une tête vite fait au hasard sur un corps de merde, on va dire. Parce que c'est pas un vrai corps celui-ci. Mais c'est juste pour que vous voyez quand même le contenu. Donc je l'ai pas mis sur sa tête vu qu'elle a pas de wig. Mais vous pouvez le voir, donc il s'agit en fait d'une coiffe avec des dreadlocks et des lunettes. J'aime beaucoup les tuyaux comme ça qui forment les dreadlocks. Donc, et puis il y a une attache là normalement quand elle a une wig. En fait vous mettez sur sa tête et du coup vous l'attachez derrière pour que ça tienne mieux. Et sinon il y a une pince carrément pour voyez, une pince à cheveux. Donc en fait vous l'enfoncez dans la wig pour que ça tienne. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une tenue de cyber. Je vais mettre ça là. Donc elle a bien entendu un masque. Pareil, j'ai attaché rapidement, c'est pas pratique. Ensuite elle a comme un brassard
on tue aussi comme les dreadlocks. Elle a un corset avec une jupe en tulle avec des volants et doublée de différentes épaisseurs. Voilà, donc le corset. Elle a un leggings collant transparent avec des effets barbelés. Et elle a des leg warmers, donc en fur. Donc voilà. Pour le contenu de cette tenue. Donc oui, donc elle avait mis the Old Dolls. En fait, sur Etsy, c'est l'inverse, c'est Doll Hulls. Mais de toute façon, je mettrai le lien, comme je l'ai dit. Donc, Osef, que c'est pas la bonne tête et qui va sur un corps de merde. Donc, oui, il y avait un petit anneau aussi, je sais pas trop pourquoi. Donc, je l'ai mis là parce qu'en fait, j'ai des problèmes à chaque fois que je retire les mains sur ces corps-là. Ça tient pas. Ça casse. Pour ça, là, il est collé vite fait. Mais bon. C'est juste un corps, en fait, qui me sert de mannequin, on va dire. Pour ça que c'est pas un bon corps, on va dire. Et puis parce que j'ai pas de monster, bah j'ai des monsterites en loose, mais bon, comme elles sont complètes en quelque sorte, j'ai pas envie de m'amuser à les déshabiller et tout. J'en ai pas des masses, j'en avais deux ou trois en double sur lesquels je suis en train de travailler. Si j'en ai peut-être deux autres, mais bon, c'est pour plus tard. Donc voilà, donc il y a quand même un élément, deux éléments. 3, 4, 5, 6, on va dire 7 éléments pour cette tenue. Donc, la coiffe, le masque, le corset, la jupe, le brassard, le leggings transparent, les deux leg warmers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo unboxing rapidement Outfight Monsterite. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.